Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de Lego City Undercover où nous incarnons notre ami Chase McCain. J'ai eu quelques petits soucis lors de l'enregistrement de l'épisode 2, à savoir que vous n'allez pas voir l'arrestation de 3 clowns et la construction de ma... première borne de véhicule. Donc ce sont des bornes sur lesquelles je peux appeler des véhicules. Hey, Chase, j'ai une autre affaire pour vous. Des voleurs se sont barricadés au sommet du bâtiment de Lego City TV. Nos agents n'arrivent pas à les atteindre. Et comment pourrais-je les aider? Je ne sais pas voler, vous savez. Oui, mais mon oncle Duke est le shérif du parc national de Bluebell. Il a récupéré d'anciens pistolets grappins de la police, bien pratiques pour escalader des bâtiments. Et pour en tomber. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de les utiliser, non? Bon, si vous ne pensez pas être capable de vous en servir... Oh, mais j'en suis capable. Super! Je vais prévenir mon oncle que vous arrivez. Trop cool! Je vais aller chercher un grappin. Je suis trop heureux. Bon, là, j'attends que la carte revienne à l'endroit où je me trouve. Ok. Donc. Ah, ok, c'est là-bas. Puisqu'il y a une icône où je peux aller utiliser... Icône où je peux utiliser... Ah bah zut, on peut pas monter. Super, comment on fait? Ah, alors, peut-être... D'accord. Bah non, on peut pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, je vais tenter d'aller réquisitionner... un véhicule là. Repassant. Allez. Désolé, c'est une urgence. Bien sûr. Et c'est parti. Allez, on écrase les gens. Hop. Et j'ai pas de turbo. Youpi. On va éviter le tram, ce serait bien. Arrêtez les deux coups de sifflet, appuyez sur Y pour monter à bord comme chauffeur ou passager. Très bien. Voilà, donc en fait ici, lors de la précédente partie... Ah, non, attendez. Ah, on peut en construire une ici. On va construire une ici. Si j'ai assez. 8000 et j'en ai 5000. Je ne peux pas. Par contre... Ce que je peux faire... Non, je ne peux pas. Ah bah tiens, pourquoi je peux pas? Vous feriez bien de vite vous éloigner de tous ces donuts. D'accord. Alors, attendez. On va essayer d'aller par là. Ah! Okay. Qu'est-ce qui se cache ici? Vous n'avez pas encore déverrouillé cette capacité. Ok. Très bien. Tant pis, on reviendra plus tard. Puisqu'il semblerait que je ne puisse pas me rendre ici. Alors... Hop. Nous retournons à bord du véhicule et nous allons poursuivre notre quête. Boum. J'ai foncé dans le dans la voiture de police au calme. Regardez où vous allez. Hop, ok.
on se la joue GTA. C'est très bien, ça nous fait des briques. Lorsque l'icône clignotant en appel vidéo, appuyez pour y répondre. Avez-vous récupéré le pistolet grappin ? Non, pas encore. Hop, hop, hop. Ça va aller. On défonce tout, les amis. Ça, c'était pas ma faute. Ah ben voilà, c'est ici que j'ai dû aller pour faire mon poste d'appel de véhicule. Hop. Oups, pardon. Tac, tac, tac. Ok, on va essayer de pas se le prendre de face. Oh, le quad. J'espère qu'il a rien. Ah ouais, quand même, ça explose les Lego, c'est cool. Bon à savoir. Alors, hop. Tiens, bouge de là. Et voilà, allez, une petite voiture, une petite moto. Haha, on explose vraiment tout. Ah, par contre ici, le coup du lapin. Là, je vais pouvoir chercher quelque chose. Voilà. Ah, là voilà. Alors, qui sont les pas? Alors venez par ici, par ici, par ici, par ici. Ah. Et voilà. Oh, il y a quoi? Et je ne peux pas. Je n'ai pas encore accès à cette foutue capacité. Ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Hop. Allez, c'est parti, nous y sommes presque. Voilà. J'espère qu'il a rien. Et voilà. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions nous rendre. Ok. Donc ça c'est quoi ça, Ranger? On dirait Walker, Texas Ranger. Chase McCain. Ravi de vous rencontrer, Chase. Je suis Duke Huckleberry. Huckleberry, ok. Vous. Franchement, je sais bien que vous aviez fait une erreur. Mais vous exiler comme ça, c'était quand même sévère. Surtout que c'est grâce à vous que ce témoin s'était manifesté à la base. Oui, eh bien, j'en ai tiré une bonne leçon. Je ne referai plus une chose aussi stupide. D'accord. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Vous auriez un pistolet grappin pour moi? Oh, mais bien sûr! Allez, prenez donc un de ces fichus gadgets à la noix. Ils vont servir à rien face à la vieille Bessie. Hein? Un bar rayé, gris, à peu près grand comme ça. Waouh! Quoi? Non, rien. Enfin, le poisson qui le nargue en bouffant l'écureuil. Bonne chance avec le pistolet grappin. Faut utiliser ces machins avec précaution. Ouais, en effet, faut utiliser avec précaution. Vous avez déverrouillé le pistolet grappin. Cool. Pour aller un peu partout avec ça, j'espère. Ça, c'est plutôt cool. D'accord. Encore là que ça fonctionne. Non, on peut pas. Très bien. Alors, hey, Chase, oui. Il y a un problème. Ah, je me disais aussi que tout se passait étrangement bien.
Quel est le problème ? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent. Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser. Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses. Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte. Oh là là, c'est loin. J'utiliserai mon scanner pour repérer le bâtiment où ils sont, c'est ça ? Exactement. Bonne chance, Chase. Ok, c'est parti. Allez. Johnny Be Good avec notre... Hop. Notre nitro. Évidemment, quand on n'a plus rien dans la nitro, ça n'avance plus. Allez, allez, laissez passer là-haut. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, les Lego. Pas foutu de conduire correctement. Hop. Regardez où vous allez. Allez, garde les yeux sur la route, Chase. Ah, il semblerait que si... Ah non, c'est une coïncidence. J'allais dire, si je suis la trajectoire pendant un moment, je gagne des briques, mais non. Hop, hop, hop. On va récupérer ceci. Tout le monde m'évite, ça va. C'est plutôt cool. Au moins, il n'y a pas de trafic hein, ici. Hop, hop, hop. Ah, je crois que j'en ai eu un. Ta 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 ta. Hop. Garde les yeux sur la... Je tue des pauvres Lego. Allez, bouge-toi. Et voilà. Nous voilà arrivés au Jenny's Burger. Ah non, Jenny's Dinner, pardon. Ah quoi? Appuyez sur B pour un... D'accord. Ok. D'accord. C'est un peu nul mais ok. Hop. Ah oui, ok. Parfait, donc je sais maintenant que l'endroit où je ne pouvais pas accéder parce qu'il y avait la... comment... l'échelle là, eh bien c'était... je peux y accéder maintenant grâce au grappin. Hop, bien. Le scanner. Oh bah ils sont là au-dessus. Trouvé. Il est temps de faire tomber le crime dans l'abîme. Je ferais peut-être mieux d'éviter les répliques bidons. Ouais, il vaut mieux. Ellie, j'ai localisé les voleurs, mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leur. Comme ça, je pourrais sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise. Ou bien, si je rate mon saut, d'une semaine d'arrêt de travail. Profitez des bons petits plats de l'hôpital, Chase. Ah. Ok, hop. Hop, hop, hop. Ouais, ça va. Top. Alors, je vais descendre pour aller chercher le bleu, là en dessous. Voilà. Clac. Clac. Et avant de rentrer, nous allons... Ah bah zut, je ne peux pas. Chase McCain est une légende, c'est lui qui avait arrêté Rex Fury la première fois, c'est aussi un de mes meilleurs amis, même si je ne l'ai rencontré que cette semaine. Je suis sûr qu'il pense pareil. Ah là 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 là. Mission spéciale numéro 1, bagarre sur les toits.
que là les chargements sont un peu longs parce que je suis pas sur SSD. Ah. Oh mon dieu. Il semblerait qu'il ait peur des perroquets espagnols. Très bien. Je suis plus aussi souple qu'autrefois. Je crois que je vais m'évanouir. Ils ont peur. Il y a un passage pour atteindre ce bâtiment. Poursuivez les méchants sur les toits, enfin les voleurs plutôt. J'ai quand même un peu la nausée là. Et voilà, j'ai pu passer, très bien. Là, je ne peux pas. Hop, parfait. De toute façon, c'est prévu pour nous faire avancer, évidemment. Ok, là, on peut passer comme ça. Très bien. Alors, vas-y, pour déplacer selon des corniches bleu et blanc. Ok. Ah, ok, là, je dois faire descendre. Clac. Voilà. Hop. Ah, de toute façon, ce mobilier était bien trop kitsch. Voilà. Ça va me faire un méga jump, j'imagine. Ouais. Oh bah oui. Ok, ça c'est un super méga jump. YOLO. Oh, il m'a vu, je crois. Il y a un flic en dessous. Vite, fichez tous le camp. Oh les salopios. Je ne laisserai pas ces voleurs s'échapper. Ah là là, ce Chase McCain. Qu'est-ce qu'il est bien. Ok. Ta 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 ta. Eh bien, ici toi. Un de moins. Et hop. Aux autres maintenant. Ha. On va garder pour casser tout. Ok. Je sais pas ce que j'ai réparé, mais je l'ai réparé. Non, là je peux pas. Là je peux pas non plus. Ben, je ne, pas je. ok. Ah, on peut pas ramper là. Non, je peux pas. Ah ouais. N'est pas encore déverrouillé cette capacité. Ok, très bien. D'accord. Maintenant, je fais comment? Ah ouais, carrément. Putain, il a peur de rien. Non, on peut pas. Ah oui. Non, non, voilà. Hop, 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 hop là. Hop là. Hop, hop là. Hop. Waouh, je savais même pas que j'étais si bon gymnaste. Moi non plus. Voilà, nous allons pouvoir monter ici. Ici. Bon, ils sont embêtants, hein, là, les... Les trois malfrats, là. Allez. Non, là je ne vais pas pouvoir. Cool. Faites pas attention à moi. D'accord. Allez, tiens. Et deux. Voilà, mange-toi ça.
Alors, hop, on refait ceci. Parfait. Hop, 6400. Il m'en faut 8000. Soup là. Et le troisième. Il ne reste plus que leur chef. Bon, là, j'imagine qu'il faut faire comme ça. Voilà, parfait. Mais si, toi. Il croit que ça y est, lui, de sauter sur les panneaux photovoltaïques comme ça. Ah, mince. Hop, 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 là. Hop, 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 hop. Ah super. Ça, c'est du panorama. C'est Assassin's Creed les amis. Hop là. Ok, escalade maintenant. Oh le salaud. Pour grimper jusqu'ici. Je peux voir celui qui paraît être le chef de cette bande de voleurs. Debout, sur un des toits. Il semble faire un signe de la main à quelqu'un. Oui, à moi. Il en faut plus que ça pour m'arrêter, monsieur. Pourquoi ai-je ouvert mon clapet, moi? Attends, je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. On dirait que la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Conrad Peters, en direct pour les infos de Canal K. Ok. D'ailleurs, il est où il va monter? Ah, et oui, évidemment. Là, après, ça va être dur de le suivre. Avec la petite musique pour donner un peu de tension là. Et de suspense. Yoho. Yeah. Ça c'est du Chase McCain. Oh. Attrape. Dis-moi pour qui tu travailles. C'est George Farr d'Arbenson Burry. Non, en vrai. Je peux pas le dire, il me mettrait en pièces. D'accord, je travaille pour Rex Burry. Rex, où est-il? Je sais pas, je vois jamais, il me téléphone seulement. Alors, ok. Attends, peut-être... Blue, il passe des trucs en fraude à la prison d'Albatros. Va le voir, me laisse pas tomber. Ah. Ok. Tu sembles très bien informé. C'est vrai. J'ai le bras long, hein? Non, plus vraiment. George, George Fartar Benson Burry. Hey, ça faisait un bail. George Farstar faire sortant ton bruit. Ah là là, nouveau morceau de l'insigne de police, c'est cool. Ah ouais, seulement 71%. Brique dorée, 1 sur 450. Je suis trop fort hein, les amis. Continuez le mode histoire. Bon, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Ah, c'était Lego City Undercover. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime assez bien l'humour. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, et éventuellement à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 3e épisode de Lego City Undercover. Allez, ciao les amis, peace.